Coucou tout le monde, j'espère que vous allez à fond. C'est votre petite Miss Nostalie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un truc que j'ai jamais ouvert sur ma chaîne. Je pense que vous avez déjà vu avec les autres. Mais pour moi, comme vous le voyez, voilà, c'est mon premier produit japonais. C'est une série Pokémon. Si je me trompe pas, je crois que c'est la série Étincelle. Je suis pas très sûre, mais bon, voilà. J'ai trouvé ce produit, je voulais vous montrer parce que c'était la première fois pour moi que j'ai ouvert un produit japonais. Pour l'instant j'ouvre beaucoup de l'anglais, j'avais ouvert un peu de version allemand aussi un petit peu au tout début, anglais, français tout. Puis j'ai trouvé ce truc et j'ai tout de suite pris et puis bon, on va aller voir, je vous montre le dos. Attendez, je mets juste parce que voilà, là on voit quelques petits trucs qu'on peut avoir. Voilà, pour ceux qui savent lire le japonais ou le coréen, je sais pas quoi exactement c'est. Mais voilà. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans le dos. Je suis très curieux. On va voir ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas trop déranger. Alors. Oui. Voilà. Voilà. Attends. J'arrive tout de suite. Voilà. J'aimerais juste bien garder l'emballage parce que le bout de racoufeu, mais franchement, il est... Ah, voilà. Alors, je vais juste voir ce qu'il y a un peu. Voilà, on va y voir. Ouh. Ok. C'est la toute première fois. Ah, il n'y a plus rien. Oh là là. Alors là, je vous jure, c'est la toute première fois que je ouvre un truc comme ça et c'est impressionnant. Oh là là. Oh, regardez. Oh, qu'est-ce qu'il y a de beau. Oh, qu'est-ce que c'est ça. Attendez. Bon, c'est... Oh, c'est plusieurs cartes. Attendez, juste... Oh, oh c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est immense et c'est... un poster géant ce côté, mais après il y a des cartes derrière, mais là comme vous voyez, je sais pas si vous voyez tout en entier, mais c'est un grand poster avec le méga Dracaufeu Y, ouais. Et puis derrière, bah voilà, vous avez toutes les quelques la collection. Voilà, voilà. Alors attendez, il y a peut-être la réponse que je cherche. Bon, voilà, un magnifique poster de Dracaufeu. Wow, il y a l'accent. Ensuite, alors, attendez, c'est... Ah, c'est du 5, je pense, X. XY2. XY1. Je découvre avec vous, hein, parce que... Oh. Ah, c'est plusieurs boosters, en fait. Oh, pas mal. Oh, ah, ah, je vais pas trop abîmer. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouh, c'est la première fois que je vois dans mes mains une carte comme ça. On va la voir, puis je vais mettre sous protection. La petite grenouche. Je suis très surpris, hein, si je parle pas beaucoup, parce que c'est la première fois que j'ouvre du japonais, parce que je n'ai pas beaucoup acheté. Alors, on va mettre dans une protection. Franchement, elle est sublime. Voilà. Je vous montre le petit Grimms. Voilà. Elle est magnifique. Oh, mon Dieu, j'ai vraiment plus envie de toucher la carte. Voilà. Wow. Petite Grimms. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons deux petits boosters de Yvelta, si je ne me trompe pas. Je confonds beaucoup. Xeneas et Yvelta. Je vous montre le dos d'un booster. Et ils sont magnifiques, hein, les boosters, franchement. Là, il y a le Dracaufeu, comme vous le voyez. C'est sa méga évolution X. Pareil. Mon Dieu, ils sont tellement beaux que je peux même pas les toucher. Ah, puis voilà. Oh. Oh. Je suis impressionnée.
Et vous m'excusez si je parle pas beaucoup, mais c'est vraiment impressionnant. Mais regardez-moi ça. Les boosters sont vraiment magnifiques. Alors voilà. Je vais faire attention avec ces boosters parce que j'aimerais bien les garder comme collection. Oh là là. Ouf. On va garder Dracaufeu pour la fin. Puis je vais essayer d'ouvrir. Et puis je vais essayer de garder les... J'ai le ciseau à côté de moi. On va essayer. Attendez. Je ne vais pas couper les cartes. C'est ma première carte que j'ouvre ça. Doucement. On va essayer de garder bien les boosters. Je crois... Peut-être que je me trompe, mais... C'est la dernière carte. Ah oui, bah voilà. Voilà. Waouh, le petit booster. Je crois que c'est... Je sais pas exactement. Je crois que c'est comme... Peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme petit Pokémon. Waouh, c'est la toute première fois que j'ouvre des cartes comme ça. Alors, nous avons un petit Cetatop, si je crois. Ensuite, Flotajou. Ça doit être la lettre du professeur. Et puis celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Et puis, on va finir par. Ouh! Flambusard. Oh là là. Elles sont bonnes. Elles sont très très belles. Oups. Voilà. Regardez-moi ça. Elles sont belles. On va mettre là. Ça, on va regarder de côté. On va ouvrir le deuxième. Alors. Doucement. Voilà. Prochaine carte. Elles sont magnifiques. Ah, je sais pas. C'est la première fois que je... Alors, on avait midi. Comme ça, je crois. Voilà. Alors. J'espère que vous voyez bien, je bouge pas trop. Je vais lentement parce que je découvre c'est magnifique. Alors nous avons un petit Marisson. Flamajou, si je ne me trompe pas. Coconfort. Coxycalac. Alors celui-ci c'est. Je sais que c'est l'évolution après Rhinophéros. Rhinotor, je sais plus. Mais elle est belle. Ouais. Très belle carte. Voilà. Jolie petite carte. Voilà. Ensuite. On va ouvrir celui-ci et on garde le Dracaufeu pour la fin. Yes, dans le bon sens. Alors, on avait dit comme ça. Voilà. Oh. Sapero, Pérégrin, Céléroc et Béton Chef et la Team Flair. Voilà. Voilà. Prochain booster. Attention, pas couper les cartes. Alors, comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Voilà.
poser ça derrière. Alors, hirondelle, bresselone, pancho, crocodile ou je sais plus exactement. Oh, c'est... Ah, je me souviens pas, je sais plus. Je sais plus. Très belle, très belle. Je sais plus le nom. Je suis un peu sans voix. C'est la première fois que j'ouvre ce type de collection. Et les boosters, franchement, sont... Alors, le magnifique Dracaufeu. Alors, on va essayer de voir si on a quelque chose de bien. Voilà. Ah, je crois que j'ai coupé la tête. Alors, on va voir dans cette belle série. Ah, ici, il y a une petite pub, ici. Voilà, je vous la montre. Ceux qui savent lire le japonais ou le coréen. Voilà. Alors, on va voir ce qui nous cache cette série. Ouh, Fogler. Rakayo. Le fan club Pokémon. Et on va terminer par Mouflette. Voilà. Dernier petit booster du coffret Dracaufeu. Ah, j'ai fini. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Alors, dernier petit booster. Oh là là. Colimuscu, si je ne me trompe pas. Chenipan. Rocole. Meme. Wow. Un galopa. Tout ça. Un petit galopa. Bon, ben voilà. Alors, bon, ça va aller assez vite le récap. je sais toujours plus comment ils s'appellent, tant pis. Lui non plus. Il n'y a que Flambusoir. Et puis la petite carte promo, c'était Grenous. Alors, on va juste mettre ça sur le côté. Voilà. Voilà ces magnifiques petites cartes. Voilà. Bon, bah, la vidéo va se terminer. Voilà. J'ai pas beaucoup parlé, mais voilà, parce que j'étais un peu très surprenant, parce que c'est la première fois que je jouais du japonais ou du coréen. Et puis sinon, bah voilà, c'était des magnifiques cartes. Et puis on a eu des magnifique carte, même si c'est pas des ex ou comme ça, pour cette version là, bah, je suis très satisfait. Voilà. Excusez-moi si certains je me souvenais plus des Pokémon, mais voilà. Mais j'espère que vous avez quand même aimé cette petite vidéo de cette ouverture de mon premier achat japonais, mon premier produit japonais plutôt, bref, c'est un achat. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour me dire m'encourager, et ça veut dire que vous avez aimé ma vidéo. Commentez, partagez avec tout le monde. Allez, bye tout le monde!